Bon, on va à Abu Dhabi après avoir discuté pendant 30-40 minutes sur le chat, bien sûr, de 2021, évidemment. Tu sais quoi, je vais pas faire de conception dans ces 4 jours-là, j'en ferai après. J'ai un aileron avant qui va finir, on va le faire en urgent. Comme ça, on aura ce qu'il faut. Tac. Allez, on va faire 3 en urgent, on paye un peu. On a un peu de sous, on paye un peu. On paye un peu. Et on met vite fait ça et je regarde où j'en suis. Attends, en termes de... Tac, swap out. Du coup, normalement, on a peut-être une voiture un peu plus performante. Là, on a rajouté 2-3 trucs quand même. Suspension, c'est fait. On en est où, là, au niveau de la caisse? Attends, je vais avancer. Avril en Formule 1. Ok, développement du pilote. Waouh, ils ont pas pris de points. Programme d'entraînement. Attendez, je fais ça vite fait. Et on va regarder après la monoplace où on en est. En cumulatif. Ok, pourquoi pas 2 secondes 4. Tac, on enlève ça. Après, il y a Bahreïn et Jeddah. Ok. Pourquoi pas. On enlève ça aussi, on est bien. Ok, confirmez les changements. La voiture, elle en est où? La voiture, analyse de la voiture, on en est où? Tac, 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 on en est où? Ah, hé, messieurs! Attends, c'est dans 2 jours, merde, faut que j'avance un peu. Parce que du coup, là, ils ont mis à jour leur truc. Ah, hé, messieurs! On est pas mal revenu. 5e en VMAX, 5e en Axel, 3e en faible vitesse, 3e en vitesse moyenne. Par contre, refroidissement frein moteur, il va falloir qu'on travaille un peu dessus. On se souvient de l'échange radio FIA Red Bull lors d'un drapeau rouge, je crois, où il propose un deal soit sur une position, soit pénalité. Tu peux faire quoi? Ouais, non, mais il y a eu de ces trucs. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais voilà, les gars, après, oui, tout le monde sera un peu blasé. C'était un peu blasant parce que la saison était belle, il y avait moyen de faire un truc incroyable et ça s'est fini tellement en queue de poisson. C'est ça en fait le plus dommageable, c'est que t'avais moyen d'avoir une saison vraiment incroyable avec un dénouement de fou et au final ça finit juste avec un truc qui te reste à travers la gorge quoi, vraiment. Vraiment un truc qui reste là et tu dis putain, fais chier quoi, vraiment fais chier. Vraiment fais chier. Bon, allez, on va avancer, on va avancer les essais. La première en qualif, faudrait que je vous fasse une prediction. Prediction. Une petite prediction. La saison touche à sa fin ici. Pas trop en fait. Hein. La saison touche pas à sa fin. Je crois qu'il a pas regardé le calendrier le mec. Il est habitué à aller à Abu Dhabi. Il dit ok, la saison touche à sa fin. Tac. Tac. On passe ça. Simuler. Bam. Plus de course sprint. Quel plaisir ça par contre. Quel plaisir d'avoir enlevé les courses sprint. Hein, vraiment parce que c'est pas fun. Hein. Wow, 90%. Joli Lewis. Lewis est en forme. Hein. Lewis est très en forme. On approche des qualifications. Personne veut tourner la roue aujourd'hui, les amis, c'est ça? Vous voulez pas aujourd'hui tourner la roue? Personne avait des tours de roue en cours, là, les riches. Les riches qui avaient envoyé, là. Personne avait des tours de roue. Hein. Non, Ujin, t'en avais pas? Que j'aurais pu oublier. Là, il y a Mama qui va dire. Oui, j'en avais, moi. Non, on s'en fout. Waouh. Super. Salut Mick, comment vas-tu? Salut, j'ai plus d'argent. T'as plus d'argent. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait avec ton argent? Je suis à la rue. Mais non, c'est pas vrai, Ujin. T'es pas à la rue. Ah, bah dis pas ça, Ujin, c'est pas vrai. Allez, Charles. Tu peux pas me faire ça. Pas me faire ça, Ujin. Allez, Q1, on passe vite fait. Ah, Abu Dhabi. Ça fait mal, ça. Oh non, ils sortent à 3, là. Ok, ils sont arrêtés, j'espère. Une 23-0. Ok, c'est bon. On a fait un bon temps dans les deux cas. On va passer en Q2 sans trop de soucis. On a donné le séquestre pour l'appart avec ma copine, j'ai mal au cul. Ah oui, bah oui, 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 oui. Oui, oui, en effet. En effet. En effet, si t'es là-dedans, ouais. Si t'es dans ça, c'est vrai que c'est, ça peut être compliqué. Trop hâte de donner tout le reste de l'appart dans 2 mois. Ah oui, bah écoute. Écoute, t'as voulu. Hein. T'as voulu. Hamilton, Leclerc, ok, ça passe. On a Hülkenberg, Magnussen, Alonso. Attends, mais Alonso, qu'est-ce qu'il branle encore? Ah non, il est en train de faire son tour. Ok, j'avais peur. 13e seulement. Mais qu'est-ce qu'elles ont les... Alonso, il est que 13e. Mais attends, mais Alonso, il fait nimpe. Il va ressortir ou pas? Ok, il ressort, mais il est difficile, Alonso. Hein. 3 de la crémaillère. Plus jamais il nous invitera à sa crémaillère. Allez, Alonso, c'est parti. Il est limite, hein.
Est-ce qu'il va améliorer Alonso? Parce que c'est le seul qui est un peu en galère. Berman 17ème, c'est dur pour Berman aussi. Ah si. Oh, 14ème seulement. Waouh. Stroll, 15ème. Ocon qui passe pas en Q2. Eh ben bravo Ocon. Tsunoda qui est 8ème. Pas mal les gars. Parce que t'es un sale type. Quoi, quelle crémaillère? Non, non, j'ai jamais dit que j'allais faire une crémaillère, je vois pas de quoi tu parles. J'ai même pas fait de crémaillère, moi, dans ma maison, à l'époque. Prouve-lui que tu as tort, qu'il a tort. Vas-y, go. Petit tour de qualif en 2-2, là. Ça, on sait qu'on est bon. On n'a pas besoin de beaucoup rouler, hein. On est chaud, là. On est chaud, on se sent chaud. On est sur 2 victoires, on se sent bien. J'ai l'impression qu'on a été gêné par contre. 4 dixièmes d'Hamilton, ça devrait suffire pour aller en Q3, je pense. Ça devrait suffire pour aller en Q3. Attention à surveiller, genre Alonso et Stroll. Stroll, il fait quoi? 6ème, là, il est mieux. Et il est... Oh, Leclerc devant Hamilton pour l'instant. Attention, Charles Leclerc, le réveil du champion. Alonso, encore 10ème. Hein. Il n'améliore pas de fou, Alonso. Hein. Il est en galère, le Fernand. Verstappen, pourquoi pas faire une boulette? C'est bien qu'il se rate. Ou quelqu'un le gêne. Bon là, on n'a pas besoin de ressortir. Oh, il va peut-être être gêné là. Imagine, il est gêné totalement. Non, mais gênez-le! Gênez Verstappen, s'il vous plaît! Oh non, il va pas être gêné. Deuxième. Stroll qui ne passera pas encore une fois ou pas? Est-ce qu'il améliore? Mais il améliore pas, Stroll, mais... Attends, il est dans son tour rapide, là? Ah oui, fast lap. Ok, il est dans son fast lap. Alonso, 8ème. J'arrive pas à lire vraiment les performances des monoplaces. Stroll, 7ème. Magnussen, toujours 13. Les McLaren n'ont pas trop amélioré. Hein. Hülkenberg, ok. Ça va finir comme ça. Ok. Ils ont pas trop boosté leur perf. McLaren, hein. Toujours 10ème, Norris. Aston Martin, Carlos Sainz, qui est pas fou. J'ai pas regardé si c'était toujours eux qui avaient les meilleurs perfs ou pas. J'ai pas fait attention. Il a peut-être pas tort, mais on sait que t'es un sale type. Eh, de toute façon, on sait que t'es un sale type. Hein. On sait que t'es un sale type, Ujin. T'es pas obligé de le cacher. Franchement, on le sait. J'ai envie de faire qu'un seul tour. On va faire qu'un seul tour. Oh, Hades! C'était quoi ça? Hades qui envoie 10 balles! Hades qui veut nous faire tourner la roue! Oh, Hades! Déjà, Hades, tu vas te prendre pour toi un pack avec plein de cartes. Parce que c'est 10 points. Et Hades, du coup, tu le mérites. Et les gars, on va tourner la roue à tout moment. À tout moment, il peut nous faire démissionner. Tu veux partir d'où? Je mets pas la musique parce qu'il y a aussi YouTube. Tu veux partir d'où, Hades? Hades qui vient d'envoyer 10 euros. Qu'est-ce qui? C'est un amour. Et soyez comme Hades. Soyez comme Hades, c'est important. Tu veux partir d'où, Hades? Hades, c'est le tour de roue d'Hades, bien sûr. Avec les 10 points mis dans le goal. Hades, on va tomber sur quoi, mon petit Hades? Attention. Est-ce que ça tombe sur un truc du jeu? Oh, il y avait un transfert. Oh, juste un pack T3. On a eu chaud, hein? Parce que là, t'aurais pu transférer n'importe quel pilote de ton choix. Et t'es tombé sur un pack T3. Ouais, t'es pas tombé sur du... T'es tombé sur une petite récompense quand même. Mais qui n'est pas la grosse récompense. Voilà, il faut être honnête. Il faut être honnête, je vais te l'envoyer. C'est quand même des packs. C'est quand même des packs et c'est quand même pas mal, hein, j'ai envie de te dire, Hades, hein, ce qui s'est passé là. Allez, tiens, Hades, cadeau. Merci beaucoup, Hades, pour le tips. Merci pour le soutien. J'apprécie grandement, évidemment. Merci beaucoup. Lewis Hamilton, qui va sortir. Soyez comme Hades, pas comme Ujin. Je suis pas chanceux avec mes roues. C'est vrai que t'es pas chanceux de fou. Et malheureusement, c'est vrai que ça, c'est le jeu qui veut ça. C'est le jeu qui veut ça et t'as pas été très chanceux. Merde, j'ai passé le premier tour au max. Bon, c'est pas grave.
Oh, pour l'instant, Charles Leclerc est en tête avec une 22-1, messieurs. Il va devoir rentrer au stand. On va remettre après les mêmes gommes, par contre. Parce que sinon... Ah ouais, en plus, elle suce beaucoup ici. Hein. Oh, on a peut-être fait la diff, là. On a peut-être fait la diff. On va attendre la fin pour sortir. Par contre, les pneus, on est en train de les carboniser, là. Hamilton qui va sortir. Oh, on aurait dû choper la spi. Gasly, il a chopé la spi, cet enfoiré. Gasly vient de choper la spi, on a vu. On va se calmer dès que Hamilton sera sur son tour. Paf! Hamilton sur son tour chrono. Pareil, Charles Leclerc qui est pour l'instant le poleman. T'as pris des bras de fou, merci Skyzoo. C'est gentil, merci Skyzoo. C'est pour sortir avec des pneus bien usés, pourquoi sortir? Ils sont pas bien usés, ils sont un peu usés. Parce que des fois, t'as des pistes où les pneus usés sont plus rapides que les pneus un peu usés. Genre quand t'as fait deux tours avec, quoi, un tour chrono. Peuvent des fois être plus performants et surtout avec l'adhérence de la piste. Ça peut parfois être plus intéressant. Ça ne l'est pas tout le temps et là ça n'a pas l'air de l'être ici. Mais c'est pas grave. En tout cas, Sainz a fait un... Il a été gêné ensuite. Oh le con. Alonso améliore. Personne améliore même avec des pneus neufs. Même avec les pneus neufs de Verstappen, personne améliore. Il sera poleman, Charles Leclerc. Il risque d'être poleman. Est-ce qu'il peut améliorer, Charles? Non, personne n'arrive à améliorer. Verstappen n'améliore pas non plus. Pourquoi tu participes à cette course alors que Prime Fire t'a prévenu que la FIA a encore triché? Mais pourquoi tu joues à ce jeu déjà alors que tu pourrais rouler en vrai? Prendre la way, non. Pas à l'heure actuelle. Yokobi et New York légendaires. Les deux légendaires? Genre Yokobi et New York sont légendaires? Non mais comment ça se fait que vous avez des légendaires et moi j'en ai pas? Non, je prends pas de la whey, mais je m'entraîne bien et je mange bien. Voilà, tout simplement. Avant de prendre de la whey, faut penser à bien manger et bien s'entraîner. C'est ça hein, qu'il faut faire, les gars. C'est uniquement. Sur 11 cartes de légendaire, ouah, tu cheat. Let's go, Charles Leclerc. Charles Leclerc, du coup, poleman à Abu Dhabi devant Hamilton. Et putain, on est 1 et 2 là sur à Abu Dhabi. Putain. Ok, je prends, j'apprécie. Non mais Ujin, c'est abusé, hein. Moi j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai que 4 en tout, alors que j'ouvre des packs tous les jours. Alors pas de SMS possible parce que j'ai plus de gomme. Quoi de... Quoi pas de... Après on serait peut-être sur du MH ici, non? Oh non. Non, MH, on va être... Non, vas-y, flemme, je t'avoue. On va finir en soft. Après, on a deux trains de M. De médium, je veux dire. Pas de M. Ah. Dans ma collection, j'ai New York, Yukobi, Red Lewis, Ceballos, Alan Wake x2. Putain! Ah ouais! Putain, j'avoue, c'est abusé. Putain, t'en as de la carte, hein? Bon. On n'a pas ça, nous. Ah, lui, c'est médium. Ah oui, mais lui, il a deux trains de soft possibles, par contre. Il peut faire du SMS, Lewis, par contre. Lewis peut faire du SMS. Au niveau des essais, ils lui en ont laissé. Ah, il se fait un peu enfler encore, Charles. Le pauvre. Toujours zéro légendaire. Oh, c'est donc qui... J'ai 3 légendaires alors que je suis pas sub. Pardon! Putain, c'est beau, hein. Putain, j'avoue. Non, vraiment, on n'a pas ça, nous. Moi, je suis sub, modérateur et propriétaire. Et j'en ai 4. Alors, c'est pas mal, 4. Mais tu vois, Hades, qui est moins souvent là que moi, ce qui est normal, a plus de légendaires. Je vais pisser.
Ma légendaire m'a coûté 10 balles. Arrête tout de suite, c'est fou. Alors que moi, je suis plus souvent là que le streamer. Mais arrêtez. Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez. Allez, c'est parti, on est à Abu Dhabi. Lewis, si tu nous entends, venge-toi, Lewis. Lewis, il est deuxième, c'est Charles qui est en pole pour l'instant, mais il part en soft. Alors, est-ce qu'on laisserait pas passer Lewis parce qu'il est en soft? Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Peut-être qu'il mériterait de passer, Lewis. Hein. Attention, parce que Verstappen, il est décidé à passer avec ses médiums aussi. Hein. Oh, il fait jour. Attends, du principe qu'Ujin et moi, dans ton chat avant que tu lances ton stream, on est plus... Bah non, parce que Ujin, il arrive en retard à chaque fois. Hamilton, quatrième, qu'est-ce qu'il fait? Ujin, il est jamais là avant. C'est faux, ça. Moi, je viens de payer 10€ pour deux légendaires. Non, et les gars, vous venez pas de payer 10€. Vous venez de soutenir la chaîne à hauteur de 10€ avec, comme compensation pour votre générosité, deux légendaires. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est pas parce que je parle pas que je suis pas là. C'est vrai. Bonne remarque. Et pour moi, si tu parles pas, t'es pas là. Hein. Comment je peux savoir si t'es là si tu parles pas? Tu vois ce que je veux dire? Pense à moi, en fait. Moi, je juge comment? Moi, je peux pas juger, je sais pas. Ah, la roue, elle est pas pour F1 Manager, Premfire, celle-ci, j'avoue. Alors, Charles Leclerc, toujours en tête de ce Grand Prix. Verstappen est derrière à 2 dixièmes. Hamilton est un peu plus derrière à 6 dixièmes. Par contre, il est en soft et il a pas l'air d'être plus rapide. Mais il use moins ses pneus, hein, Hamilton. Hein. Vraiment, il est très fort dans la gestion de ses gommes. Hein. Je vous ai pas fait de prédit encore, tant pis. On attend une nouvelle collab avec une marque de préservatif. Quoi ? Mais vous êtes fous, en fait. Vous dites des choses, mais qui n'ont ni queue ni tête. C'est fou. Qui te dit qu'on en a besoin, que j'en ai besoin ? Merci, Hades. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Verstappen dépasse Leclerc. On est où, là ? Comment ça, il nous dépasse ? On va se mettre en fort. Peut-être pas de tête, mais une queue, en tout cas. C'est vrai, ça va, je vois. I see you. Putain, Charles... Oh non, mais Verstappen, ça y est, il est imprenable. Il est imprenable, sa voiture est trop rapide. C'est quoi, le problème? Putain. Le mec est imprenable, on peut pas aller le chercher, c'est ça? Lewis, pousse un peu, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. T'as récupéré Max. C'est sur quelle chaîne ça me changera d'ici. Vous êtes trop méchant. Moi, je pense que vous êtes trop méchant. Vous savez quoi? On arrête tout, on arrête le stream. On arrête le streaming et on démissionne. C'est ça que vous voulez? Vous voulez ne plus avoir ces aventures sur F1 Manager, sur WWE? C'est ça que vous voulez plus rien? Au revoir, Kayla. Ouais, super. Bah, Kayla, il s'en fout, en effet. Il dit au revoir. Salut, P, comment vas-tu? Heureusement que P est arrivé. Un P qui veut dire P. Bon, en tout cas, on est tous dans la seconde. Hein. On n'arrive pas à prendre un petit écart avec les autres, là. Russell pourrait lâcher, peut-être, mais il est encore là. Il tient bon, Russell. Tout le monde a quasiment une seconde l'un de l'autre. À part Gasly, le naze. Je rigole. Je rigole, Pierre. Pierre, je rigole. Je rigole si t'es là, Pierre. Pierre, si t'es là, je rigole. Oh, Hamilton qui est en train de doubler Verstappen, il tente des choses, Lewis Hamilton. C'est impossible de suivre quoi que ce soit, lui, dit-il. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, là, tu peux suivre. Tu peux même doubler si t'en as envie. Si t'en as envie, tu peux le faire. Putain, Hamilton chez Ferrari, c'est fou, ça. On est qu'à 6 tours. Ok, on a un peu de temps. Au 20e, à peu près au 20e, on rentre. Allez, on avance un peu. On avance jusqu'au 12e tour. On surveille s'il y a personne qui se fait lâcher. Un leader vient de se faire décrocher. Vous avez la ref, peut-être. Si vous l'avez pas, vous la trouverez. Ok, il a le DRS. PCM, bien vu. Un leader vient de se faire décrocher. Il semble être en difficulté aujourd'hui. FIFA 15, non. Non, c'est Pro Cycling Manager.
D'ailleurs, on va jouer à Pro Cycling Manager en mois de juin, hein, comme d'hab. On va jouer à Top Spin quand il va sortir. Pro Cycling Manager. Après, il y aura tout ce qui est jeu de F1. F1 Manager, c'est sûr. F1 24, peut-être pas. Franchement, pas sûr du tout. On essaiera, comme d'hab, mais pas sûr d'aller bien loin. Et puis après, voilà. On fera forcément un peu de F1, mais F1... Après, il sort plutôt F1 cette année, donc pourquoi pas. On aura peut-être envie de le tester. Il sort fin mai, je crois, c'est ça. Hey, attends, il sort fin mai, F1. Hey, il sort pas, il dort pas longtemps, dans 2 mois, au final. Ils auraient pu le mettre plus tôt, même encore. On est toujours devant Verstappen. Il n'y a que Perez qui a suivi. Et les Aston, ça y est, hein, ça a craqué déjà. Les Aston qui étaient la meilleure écurie, regardez-les. Cinquième. Il est bien motorisé ton vélo, mais l'UCI n'arrive pas à confirmer avec leur tablette. Non mais en vrai, là c'est compliqué avec ça, j'avoue. Mais non, PSM, ça va être intéressant. J'aime bien à chaque fois que le tour approche, hein, de toute façon. Hein, j'aime bien faire PSM et Tour de France avec Poney d'ailleurs. On fera encore le tour avec Poney, je pense. Et bon, on n'y est pas encore, hein, y a le temps, mais c'est la période phare un peu des jeux. De toute façon, à partir de mai, c'est la période où les jeux un peu de sport arrivent. Donc il y a les jeux sur le... Il y a PSM, bon, il y avait le jeu de catch là, mais bon, c'était un peu plus tôt. Là, il y aura Top Spin en plus, après il y aura F1, il y aura F1 Manager, il y aura les FIFA, il y aura Touquet. Enfin, tout ce qui s'ensuit après, quoi. FM. La période un peu creuse, c'est toujours entre décembre et genre mars, tu vois. Décembre et mars, souvent, on se fait un peu chier. Hamilton passe P1, il raconte sa life. Il était déjà P1 tout à l'heure, Hamilton. Il va y revenir, t'inquiète pas. Regarde, hop là, il lutte. Il est là. Vas-tu parler des JO? Alors ouais, je regarderai un petit peu et on jouera au jeu des JO aussi. Mais après, je vais pas vous faire une émission sur les JO, quoi. Je m'en fous un peu, quoi. On regardera évidemment, mais on en parlera un peu, tu sais, chaque jour dès qu'on lance le live. On suivra un peu en même temps. Enfin, y a des trucs intéressants, hein. Je vais pas m'amuser à parler 20 ans, genre du vététiste qui finit 4e lors d'une épreuve. Enfin, tu m'as compris, quoi. Je sais pas s'il y aura un jeu JO d'ailleurs, j'en sais rien, Thibaut, j'ai dit ça, mais... On va parler basket au niveau des JO, on va parler foot, un peu d'athlée, des sports qui sont cool à faire, quoi. Pas le badminton, pas le bad, par exemple. Y a pas de bad au JO, d'ailleurs. Y a du bad au JO ou pas? Je crois pas, hein. Allez, Leclerc, push un peu. S'il y a du bad? Ouais, bah voilà, ça, on n'en parlera pas, par exemple, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il y a du bad. Hein. Tennis de table, c'est bien, c'est cool. Alors, en vrai, je rigole, mais le bad, des fois, c'est sympa à regarder. Enfin, pas à moi, tu vois, mais je peux comprendre. Enfin, pas trop, mais je peux. C'est quoi les sports que vous préférez, genre au JO? Moi, c'est tout ce qui touche un peu à l'athlé. Le basket, le foot. Le foot, encore moyennement. Je préfère limite le basket que le foot, mais cette année, le foot, ça peut être sympa. Natation, j'aime bien au JO aussi. Souvent, la natation, j'aime bien parce qu'on a souvent des bons Français. Natation synchro, pas trop moi, j'avoue. Non mais attends, Verstappen il avait le DRS là. Et pourquoi personne a le DRS, même pas Verstappen? Oh là là, ce qu'on lui a mis! Super, Charles Leclerc hein, qui est devant Verstappen et qui lutte un peu. Ah oui, bien joué ça. Est-ce qu'il connaît Sergio Perez, Charles Leclerc? C'est bon, personne n'a vu ce que j'ai fait, ça va, tout va bien. Push it. Hamilton qui part. Le kayak aussi. Non, je regarde pas trop le kayak, moi. Le kayak, c'est pour partir en voyage, non? Marchand, notre nageur star qui va tenter de prendre plusieurs titres. J'avoue, je sais pas du tout qui fait quoi, si on a des chances de médaille et tout. J'avoue, j'en sais rien. Oh, une Williams encore! Lawson qui remplace du coup Latifi.
Hamilton, 2 secondes 4 d'avance sur Leclerc. Ça s'est creusé un petit peu là. Après, Hamilton va rentrer dans pas si longtemps. Hein. On va le faire rentrer ouais, dans un ou deux tours là. Il va pas tarder. Hein. Verstappen qui lutte un peu. Prochain tour, il va rentrer. D'ailleurs, toujours pas de qualif pour les JO. Ah ouais? C'est qui notre plus grande chance au judo? On a des chances de médaille quand même au judo. Encore. Ouais, ce tour, tu rentres ce tour. Ça y est, double. Oh, joli! Attends, il va vraiment redécroiser là? C'est joli si ça se fait ça. Parce que généralement, ça se faisait pas souvent ça dans le jeu. Il y a David Douillet. Ah ouais, ça devrait aller alors. Natation avec Léo Marchand, ok. Merde, Hamilton qui rentre, attention! Ok, copy. On va voir s'ils font une erreur ou pas, j'espère pas. Ok. 2 secondes 5, ça va, c'est pas mal. Par contre, on va sortir un peu dans le traffic. On sort dans le trafic ou pas? Ah, pas trop de trafic en fait. Pas trop de trafic pour Lewis. Ok, il va être pas mal. Charles Leclerc qui est avec Verstappen, qui vient de le doubler. Il va tenir encore un petit peu. Il reste coincé comme un nul derrière, comme Hamilton en 2021. Il veut la guerre, monsieur, il veut la guerre. Bon, on peut avancer un tout petit peu. Hamilton qui va revenir sur Gasly, normalement, voilà. Pour pouvoir avoir le DRS. Je sais pas s'il va faire peut-être qu'un seul arrêt vers Verstappen. Bon, je sais pas. Double. Bien joué. T'as vu, il a pris la speed. Il décale. Et ça va beaucoup mieux au niveau des dépassements, je trouve, sur le jeu. Avant, il restait déjà... tu vois, il se mettait genre déjà sur le côté dès le début. Là, tu vois, il prend un peu la speed. Après, il se décale. C'est beaucoup plus fluide que à la sortie du jeu, je trouve. Et que sur celui de l'an dernier aussi. Allez, Leclerc, tac. J'ai bien envie de le faire rentrer bientôt quand même, Charles. Là. On va essayer d'undercut. On va undercut. On va faire un undercut. Non, c'est pas maintenant qu'il faut que je push en fait. Bon, sur les gommes, oui, mais pas sur le RS. Allez, ça rentre. Allez, ça rentre. Comme papa dans maman. Il a dépassé Hamilton. Il a dépassé Alonso. Vous ratez pas, les gars. 2 secondes 6, c'est pas mal. Hamilton qui est là, qui sort, qui est... Ouh, il a de l'avance sur Charles. Hein. Oh, il a de l'avance sur Charles de fou, là. Verstappen n'est pas rentré, lui. Ça veut dire que l'undercut fonctionne bien. Bien fort. Verstappen continue. Ouais, il va peut-être perdre un peu de temps, là, en restant sur la... Et Leclerc qui ressort derrière Gasly. C'est pas si mal. Pas trop push non plus. Allez, un peu sur un tour. Sur un tour, tu pushes. Sur un tour, tu pushes, Charles. Voilà, et tu reviens un peu. Il y a double. Ah, Verstappen est au stand. Oh, il est sorti en hard, le salaud. Un seul arrêt pour Verstappen. Un seul arrêt pour Verstappen. Alors, je pense qu'il sera pas assez rapide. Au pire, s'il est derrière Leclerc, on sait ce qu'on fera avec Charles. Hein. Allez, double-le. Double-le! Putain, mais non! T'abuses, vraiment! Waouh! Quelle fusée! Ok, Charles Leclerc 4e et Hamilton 3e. Il a 5 secondes de retard quand même, Leclerc sur Hamilton là, du coup. Hein. Il a pris un peu. Hein. Sainz rentre. Il veut pas rentrer lui aussi. Laisse-moi ton DRS et rentre. On est beaucoup plus rapide que lui. Il est en galère un peu. Ouais, il est lent, Carlos. Pas la bonne strat, hein, lui aussi. Hein. Pas la bonne strat. Hein. Mets-toi dans le cliné. Hein. Voilà. Hé hey!
Mais c'est... Eh, mais il a pas le droit de faire ça! Bannissez-le du monde de la F1, dis donc! C'est honteux de faire ça. J'en reviens pas. Allez, Charles qui revient. Ok, donc là, il y a Perez aussi qui est pas rentré. Ils sont en train de carbo leurs pneus. Hein. Ils vont tous faire qu'un seul arrêt, en fait, là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ce qu'ils ont fait. Hein. Sainz qui rentre que maintenant. Nous, on va revenir sur Perez. Après, Verstappen, ça va être dur de lui prendre beaucoup d'avance, j'ai l'impression. Hein. Et après, nous, on rentrera mettre des sauces. Mais en fait, les pneus, ils s'usent tellement vite. Soit 85% qu'après, il va être éclaté avec ses gommes. Charles Leclerc, il est derrière nous. Il est derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on ralentit Verstappen avec Charles? Ou est-ce qu'on continue à rouler fort? Et du coup, Charles serait un peu utilisé, quoi. J'ai peur qu'il m'en veuille après. J'ai peur qu'il m'en veuille et que dans les vestiaires, il discute avec moi. Il me dise non, pourquoi t'as fait ça? Ah là là là. Bon bah voilà, c'est réglé comme ça, il est devant nous, il est passé. Il faudrait que je le ralentisse peut-être quand même. Faudrait que je le ralentisse quand même, après il peut m'amener... Et doup 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 Charles. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est comme Horner, pose tes couilles sur la table. C'est déjà fait. C'est déjà fait, on va voir s'il tient. Mais Charles doit défendre un petit peu sur Verstappen. Le but est de ralentir Verstappen un petit peu. C'est une obligation de victoire. On a signé Lewis Hamilton pour un 8e titre, messieurs. Charles Leclerc en a conscience. Et il travaille bien sûr pour lui parce qu'il a été champion. Il sait ce que c'est. S'il n'avait pas été champion l'année précédente, il aurait eu plus de mal à accepter ce statut, hein, je vous le dis. Là, il l'accepte un petit peu. Mais attends, c'est Sergio Perez ou Charles Leclerc? Je sais plus. Mais regardez cette défense incroyable. Oh là là. What a beautiful driver. Oh là là, quel pilote. C'est fou de faire ce qu'il fait quand même. Hein. Et là, il freine d'un coup, bam. Regardez, il sait pas quoi faire derrière Verstappen. Il est là, il est frustré. Il va cramer les pneus en plus de ça. Oui, on lui chauffe les pneus. Là, on lui souffle de l'air chaud. Chut, chut. Les gommes, ça chauffe. Et regardez, il a perdu 4 secondes déjà. On le voit tourner le volant. Un coup à droite, un coup à gauche. C'est normal, il y a des virages. Là, Verstappen, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire, Verstappen. Il dit... Ah, il est dans la panade. Même là, regardez la réaccélération, paf, la réaccélération de Charles Leclerc. Verstappen couvre le DRS, qu'est-ce qu'il va faire Charles? Décale-toi. Il peut y aller, il décale un peu. Oh, le duel incroyable. What a beautiful duel. Verstappen derrière, hein, il en a marre Verstappen. Il en a marre Verstappen, regardez, il va rester à l'intérieur peut-être. Il veut pas y aller. Il a peur. Il a peur, il a peu d'espace pour le virage qui suit. Il peut pas dive. Voilà, là. Et ça c'est du travail de... Ça, c'est du travail d'équipe. Hein. Ça, c'est du travail d'équipe. On va pouvoir se calmer un peu, mais pour l'instant, Charles Leclerc qui... Hamilton lui en devra une. Hein. Hamilton lui en devra une. Hein. Ça fait 3 tours maintenant qu'il reste derrière. Là, je pense qu'il va craquer, là. Du moment où il craque, après, on refait la bataille, mais je pense que là c'est cuit, là. Oh, même pas. Si, il y va. Mais il y va pas. Oh, il y va. Ah, c'est dur. Attention, le freinage. Merde, c'est pas là ça que je voulais faire. On se remet en bagarre. Oh là là, il lui fait le retour. Le retour de médaille. Ah, regarde, il s'était fait avoir. Il reprend. Oh là là, Charles Leclerc qui s'amuse avec Max Verstappen. Il s'amuse avec lui. Oh là là, il s'amuse avec lui. Non, je crois pas que c'est touché. Regardez-le, il le ralentit. Arrivé, il a une obligation de tenir jusqu'à 10 secondes, Charles Leclerc, pour le pit de Hamilton. Il doit tenir 10 secondes.
Une fois qu'il a tenu 10 secondes, après il peut rouler. Mais il doit le maintenir sur les 10 secondes et après on lâche tout. Et pour l'instant il le fait très bien. D'une main de maître, Charles Leclerc. Ça y est, on arrive aux 10 secondes. Ça y est, les 10 secondes. Oh, il a encore défendu. Incroyable, il est trop fort, Charles. Ça y est, maintenant il peut faire sa course. Voilà, il peut faire sa course. Ah, pas trop quand même. Allez, il reste dans les 9, 10, c'est bien ce qu'il fait. Attention, parce qu'ils sont rapides là, qu'est-ce qu'il branle. Après, Hamilton sera en soft, donc il aura quand même l'avantage de la gomme. Bon, pareil aussi pour Leclerc, en fait, tu me diras. Hamilton qui est tout seul depuis tout à l'heure, mais bon, Charles Leclerc avec le DRS se booste et se rebooste. Faudra quand même faire attention. Côté Lewis, en plus, les gommes de Lewis là sont bien plus usées pour le coup. Hey, ils reviennent fort là. Oh, il est passé, Charles. Attends, il est passé. Il faut le ralentir, j'ai l'impression. Attends, faut le mais qu'est-ce qu'il fait là, Lewis là? Il se passe quoi là? Pourquoi il a été si rapide d'un coup, le loustic? Il a été gêné par des retardataires. Oh non, il a été gêné par la Williams là, c'est sûr. Oh putain. C'est peut-être ce qui va nous arriver aussi. Mais attends, mais il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il a, Verstappen, là? C'est une fusée. Allez, double. Oh, il aura le DRS en plus, non? Les gars, je vais être obligé de ralentir Verstappen, hein, je vous le dis. Hein. Il est trop rapide, là. Il est trop rapide, Verstappen. Hein. Va falloir le calmer un petit peu. Hein. Va falloir calmer un peu Verstappen, parce qu'il a l'air beaucoup trop rapide, là. Il a pris 3 secondes en 2 tours. On va être un petit peu plus rapide avec Lewis Hamilton. On va lui demander de push un petit peu plus. Ouais, il a pas été gêné par le retardataire. Oh, il est fort, hein, Leclerc. Hein. Leclerc, il est vraiment fort. Il fait un taf de fou furieux. Allez, à fond, et on rentre là pour mettre les softs. Il n'y a pas eu de safety encore, hein. Il n'y a pas eu de safety car. Charles Leclerc qui est en train de faire une full défense. Il est fort. Oh, il continue à se défendre, même un peu. Putain, il s'est fait doubler et il redouble. Il y a même le retardataire qui est là. Oh là là. Ah ouais, le retardataire, il en a ras de bol parce qu'il peut doubler. Et il va se faire doubler. Il va se faire doubler par le drapeau bleu, Verstappen. Oh, le naze. Allez, Hamilton qui rentre. Oh, Leclerc, c'est costaud. Vous ratez pas, hein. Ok, 2 secondes 4, c'est pas mal. 2 secondes 4, c'est bien. Verstappen qui a été ralenti par Charles. Ce qui veut dire que normalement, il pourra revenir aussi dessus Lewis. Sort 4e derrière Perez. Et il est en soft. Attention, Sainz qui peut peut-être gêner. Non, ça devrait le faire. Non, c'est bon, on est sorti. Tac. Le problème, c'est que Charles va devoir rentrer aussi à un moment donné. Je vais le faire juste un peu ralentir légèrement pour que... Oh là là. Pour lui faire perdre 1 à 2 secondes qui peuvent être importantes sur la fin. Charles, il est fort, hein. Charles, y a rien à dire. Charles, il a fait un taf de fou furieux, Charles Leclerc. Allez. Maintenant, il peut faire sa course. Le pauvre, ça fait 2 fois que je lui dis ça. Il va mettre les softs. Il va mettre les softs, Charles Leclerc, il va rentrer. Allez, Charles rentre. Ça y est, Charles il rentre. Et du coup, Hamilton, il est à combien? Oh, il est pas loin de Perez. Travail d'équipe, messieurs. Par contre, on a peut-être perdu le podium avec Charles. C'est possible.
Quoique, on va ressortir en soft, en vrai, ça devrait le faire. On revient sur Perez. Regardez, on n'est pas loin. Et ça va pas lui faire tout drôle à Verstappen d'avoir un mec en soft 9 derrière lui. Hein, vous pensez que ça va lui faire drôle? À Abu Dhabi d'être en hard avec un mec qui est en soft derrière? Moi, je pense que ça va lui faire bizarre. Je pense que ça va lui faire bizarre un peu. Eh, mais il va re-rentrer de toute façon, parce que là il est en hard, mais il a les gommes qui sont carbonisées. Ah ouais, regardez, Perez il a 65 et Verstappen il a 39% de gomme. Ah oui, vraiment, attends. Ah, mais il est rentré un peu avant, mais il a les gommes carbo. Le fait d'être resté collé à Leclerc, il va devoir faire un arrêt supplémentaire. Quelle stratégie incroyable de la part de Ferrari! Alors que vous doutiez des stratèges, Tifosi. Ah, Leclerc, il a régalé là pour le coup. Hein. C'est vraiment cadeau. Hein. C'est vraiment cadeau. Mais il va pouvoir remonter un peu en vrai. Hein, parce que bon, après, ça va être dur si ça rentre pas devant. Sainz, il va devoir rentrer aussi en vrai. Ils vont tous devoir rentrer. Hein. Ouais, Verstappen, il est en galère avec ses gommes devant. J'espère que ça va rentrer. Waouh, ouais, il y a eu un bug. Ouais, mais il y a eu un bug aussi. Ça y est, la FIA, là. Oui, il passera devant Verstappen, oui, c'est sûr. Verstappen, il est en craquance. Allez, bye. Nulos. Par contre, Charles, j'espère qu'il va revenir. Lift off. Left lift off. Oh, il a même eu le DRS là. Wow. Oh oui. Oh oui, ça double ici, Lewis. Ah, pousse-le, Perez. Aïe. Aïe. Vas-y. C'est bien. Ah, il est obligé de rentrer, Verstappen. Ok, nickel. C'est bien pour Charles. Vu que là, il l'a undercut normalement. Et Sainz aussi. Il l'a undercut. En plus de ça, bah, il l'a ralenti de fou à un moment donné. Donc, normalement, dans tous les cas, Verstappen, il va sortir loin, quoi. Et je pense pas qu'il soit en mesure de venir chercher Charles. Je pense pas. Il y a combien? Ah, il y a que 5 secondes. Hein. Ah, c'est quand même 5 secondes en vrai. 5 secondes, c'est bien quand même. C'est assez confort, 5 secondes. Mais attention. Mais en tout cas, la stratégie fut bonne. Parce que Perez va devoir rentrer aussi. Donc dans tous les cas, on a fait un joli move en faisant ça. Parce qu'on a ralenti les plus rapides. Bah, normalement, Perez rentre. Hein. Bon, Lewis, normalement, la win, elle lui est offerte sur un plateau. Hein. Par contre, il y a juste Verstappen qu'il faut surveiller. 4 secondes 4. Attends, Perez, il va pas re-rentrer? Il a 40 et quelques, il va finir comme ça. Ah, il a 49, hein, Perez. Hein. Perez, 49%, il va peut-être vouloir rester, lui. Hein. Perez, il va peut-être vouloir rester. Mais on va lui prendre une seconde par tour, donc ça devrait se faire. 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 Toujours se faire. Lewis, on va lui dire de se calmer. Hamilton, non, il crame pas les softs, regarde, il doit finir au-dessus des 30. Non, ça va. C'est juste qu'il est sorti, il est sorti bien plus tôt. Ouais, il est rentré 2 tours avant, je crois. Ouais, attends, il est en train d'égaliser un peu, là. Il est en train de revenir vers Verstappen, faut vite qu'on revienne sur Perez, pardon. Donc on push un peu pour revenir sur Perez. Oula, il y a eu un drapeau jaune, c'est pas nous. Ok, oh, Verstappen, il a lâché un peu. Blocage de Verstappen! Oh là là, la pression, il la supporte plus, le néerlandais! Ah, il supporte plus la pression, le néerlandais, c'est fini pour lui. Ça y est, là, il voit que tout lui échappe. Il a été frustré par les manœuvres de Charles Leclerc. Ah, il vient de lâcher le podium. Il vient de lâcher le podium là-dessus. Il est quand même assez rapide, Perez. En plus, il va avoir le DRS, là, il est relou. Oh non! Putain, les retardataires, toujours! Vous vous rendez fou! Normalement, on va le bouffer quand même. Hein. Ici. Voilà. Allez, vamos. Dis-lui au revoir. Tu nous reverras plus. Loser.
Merde, merde, merde. Putain, j'ai niqué le RS. Ok, c'est bon, naturellement. Oh, le doublé! Le doublé de l'écurie! Le doublé de l'écurie qui se présente. Ouais, c'est bon. Dernier tour pour Hamilton. Il est où, Lewis? Il est là. C'est bon, messieurs. Eh ben, la course était bien gérée, stratégiquement parlant. Parce que c'était pas sûr de la gagner. Hein. Il pourrait lui offrir la victoire, mais ça va pas ou quoi? Franchement, on aurait pu ne pas la gagner si Verstappen était resté près de nous toute la course. Leclerc, du coup, deuxième. Il a fait un super taf et qui se retrouve deuxième au final. Oh, la lune! Perez, troisième, et qui est devant son coéquipier au final. Il peut nous remercier, Perez. Hein. Il a un podium grâce à nous. Verstappen, quatrième. Sainz, 5. Russell, Norris, Gasly, Alonso et Stroll. Par contre, les Aston Martin sont à la rue. Bizarrement, ils ont pas pu rivaliser aujourd'hui. Alors que Aston Martin, c'était la... Quoi, ils étaient dans les meilleures écuries avec Red Bull et nous. Et là, ils ont pas pu rivaliser une miette. Lewis Hamilton! Ah là là, Lewis! Troisième victoire d'affilée. Bravo, mon Lewis. Tu peux le faire, Lewis. Tu sais que tu peux le faire. Tu vas aller la chercher, Lewis. Il y a un Grand Prix ce week-end. Ouais, il y a un Grand Prix Australie. Donc, du coup, c'est très tôt le matin, par contre. Mais ouais, il y a des Grands Prix. Ah là là, qu'il est beau, mon petit Lewis. Il est beau, il est mignon. Regardez-le comme il est chou. Regardez-le comme il est chou. Nos deux pilotes sont sur le podium. Lewis avec 25 points, donc du coup Verstappen n'en prend encore que 12, ce qui veut dire qu'on a 13 points d'avance sur lui. C'est pas mal parce qu'au classement pilote, Hamilton est enfin en tête. Charles Leclerc n'est que 4ème parce que bon, il a eu des petits soucis. Mais Lewis, c'est 3 victoires là sur les 3 dernières courses, avec 7 points d'avance sur Perez, Sainz, Leclerc et Verstappen n'est que 5ème avec déjà 46 points de retard. 46 points de retard déjà sur Verstappen, c'est beaucoup. Et au constructeur, on est loin devant. Jolie course à Abu Dhabi, on a été bon.